Salut à tous, c'est Zidane. Dans cette vidéo, on va aller customiser ce véhicule-là, donc qui est la Brioso 300. Vous avez entre le 22 et le 30 décembre pour la chercher sur le site San Andreas, qui sera justement gratuitement. Comme vous pouvez le voir là, passé cette date-là, elle aura de nouveau la valeur de 610 000 dollars. Donc, on va voir ce que ça donne. On va la customiser ensemble. Voilà, je pense que ça peut être cool, ça peut être sympa de voir un petit peu ce que ça donne. Comme dit, du 22 au 30, vous pouvez l'avoir gratuitement. Après, il faudra la payer, donc dépêchez-vous. Donc, alors blindage, moi je vais pas mettre parce que c'est pas vraiment un véhicule que je vais utiliser pour faire la guerre, hein, on va pas se le cacher. Donc, on peut soit tout retirer, soit sans. Personnellement, je trouve que pour le moment, je vais les laisser. Frein à fond, ok. Le pare-choc. Le pare-choc. Rallye de Paletto. Ah ouais, sympa ça, hein. Sympathique tout ça. Ouais, celui de série, je trouve qu'il va bien avec l'avant. Donc on va le laisser. Ah, amélioration 6 cylindres. Ok. C'est cool ça. On va mettre ça. Elle aura de la patate. Les pots d'échappement. Pots d'échappement, rallye. Ouais, comme ça, écoute, pourquoi pas. Elle. Peut-être pas en carbone non plus, hein. Ça fera un peu bizarre. Capot ouvert. Capot de course. Ah ouais, c'est chelou, hein. Écoute, hein, on va partir sur un tuning un petit peu spécial. Voilà. Les motifs. Ok. S'il y a un motif paletto, ça serait nickel. Je sais pas s'il y en a un. Non, il n'y en a pas. Total Ride Motors. Ok. J'en ai pas vu vraiment qui me tape à l'œil. Peut-être celui-là, j'aime bien. Après, ouais, je pense qu'on va partir sur celui-là. Les autres, j'aime pas trop. Bah, du coup, il n'y a pas de plaque, hein. Ok. La peinture principale, bah, on va laisser comme ça, hein, j'aime bien. Le toit. Oh, le toit comme ça. Le toit ouvert. Ok. Un toit comme ça. Ah ouais, un toit retiré carrément. Je pense. Genre comme ça, tu vois. C'est n'importe quoi, je crois. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc ça, on va mettre en grossi. On va la rabaisser au maximum pour plus d'efficacité. Coffre. Bah comme ça, on va laisser, hein, écoute. Les roues, on va les laisser. On va juste peut-être mettre amélioration des balles. Voilà. Et les vitres teintées. Voilà un petit peu pour la customisation. Donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Franchement, avec le rallye de Paletto, c'est magnifique. Dommage qu'on n'ait pas vraiment de motif Paletto Bay. Ça aurait été sympa. Mais le truc que je trouve vraiment stylé, c'est que tu peux enlever carrément le capot. Tu peux enlever le toit. Vraiment, c'est super cool. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule qui est sympa. Un véhicule un petit peu rétro dans le style. J'aime bien. Ils ont poussé les customisations qui sont plutôt très très bien, on va pas se le cacher, le fait d'enlever le toit, c'est des trucs qui sont sympas, c'est des trucs qui permettent d'avoir un véhicule un peu what the fuck, un véhicule qui change un petit peu de l'ordinaire, je trouve que ça manquait un petit peu à GTA en ce moment. Je trouve que c'est un très très bon véhicule, après avoir, vous voyez, il y a quand même un défaut de texture à l'arrière, j'ai l'impression que normalement il y a une vitre. En fin de compte, vu qu'on a enlevé le toit, je sais pas si c'est totalement optimisé ou pas. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un véhicule sympa. C'est un véhicule gratuit, il y a la neige, donc franchement ça fait super plaisir. C'est pas non plus une super sportive, on va pas se cacher. Mais c'est un véhicule qui reste quand même assez fun, assez sympa, qui peut tout simplement être largement suffisant. Après voilà, comme il y a la neige, donc il faut faire gaffe un petit peu plus parce que ça glisse vraiment. C'est assez abusé.
Mais voilà un petit peu pour justement le véhicule gratuit qu'on a cette année, donc c'est plutôt cool. J'espère que ça vous aura plu, donnez-moi votre avis dans les commentaires de la vidéo. Moi j'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésiteront pas à la bombarder de likes, à partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la fois prochaine. Ciao tout le monde.